Il a mis une ligne noire sur ça. L'adrénaline que j'ai en peignant maintenant, c'est plus à foirer le truc parce que, par exemple, comme sur la paire de lunettes que j'ai là à l'instant, tout de suite, c'est vraiment un gros. Ouais, ça met vachement la pression, c'est un objet qui coûte assez cher, qui est joli de base, et moi je suis censé être là pour embellir la chose, donc si je la foire, un peu les boules. Là, la base elle est noire, donc je peux pas trop partir dans des couleurs non plus un peu folles, et c'est une lunette qui est assez basique aussi, en soi, donc... Je vais rester dans les couleurs noires, enfin dans les couleurs noires. On va marier ça avec du gris et du blanc en fait. Ça va passer tout seul. Two Chainz, Frank Ocean et les deux derniers de Booba, Moray et Caramel. C'est mes morceaux du moment. Bah, je suis déconnecté au téléphone et ma main aussi, je sais pas, c'est bizarre. Et je suis tout le temps en train de trouver des nouvelles lettres. Et c'est vrai que quand j'ai raccroché, j'hallucine vachement sur ce que j'ai fait. Je dis merde, je dis, ah, c'est cool, j'aime bien cette lettre. Je vais la remettre avec l'autre lettre que j'aimais bien. Et voilà. J'ai toujours voulu faire un Chesterfield, un canapé. Et j'ai toujours voulu faire ça, mais. Faut juste maintenant je trouve le temps d'aller chercher le Chesterfield et j'ai déjà l'idée, hein, ça, camouflage ton sur ton.